se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire Yo-Yo, le retour. Vous avez explosé l'épisode numéro 1, vous avez adoré et vous étiez nombreux à demander l'épisode 2. Je voulais pas trop vous faire attendre. Si du coup vous êtes content, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quelle scène RP vous voudriez voir sur la chaîne. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est parti. Bon les amis, vous savez que c'est dans l'hôpital que Yo-Yo a commencé et c'est son endroit préféré. Aidez-moi. Et oula, s'il vous plaît. Ah, la réaction de Georges, je crois que c'est ce que je kiffe le plus. Bonsoir. Il me voit. Pour l'instant, ils ont pas l'air trop apeurés que ça. Je vais enquêter pour vous. Alors. Monsieur les agents. Il y avait une espèce de poupée enfant jaune avec une tête jaune avec des yeux ensanglantés. Des yeux ensanglantés. Oui, parce qu'on est l'autre version du Yo-Yo. J'ai pas compris. On est la version maléfique. Venez. J'ai pas compris là. Je vais te retrouver. Vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Il y a une espèce de poupée avec une tête jaune et les yeux en sang. Vous avez vu ça où? Agressé, oui. Là où? Il y croit pas! Quoi là-bas? Il dit oui. Viens toi, on va aller voir. Là, Et monsieur? Ouais, on va aller voir. Vous avez vu ça où? Elle était avec des fils, enfin des fils au-dessus des bras. Mais en vrai, t'as joué? Bah, c'était un petit enfant qui parlait avec une voix d'enfant. Et elle avait les yeux. Rouge, bah vous savez, c'est peut-être un guise déguisement. Personne ne le croit. Mais oui, mais là, ça devient inquiétant. Vous avez vu, elle a fait quoi? Mais c'est une petite poupée, monsieur. Bah j'entendais des voix dans... Il a des voix. Pas normal. Ouais, on va aller voir vite fait alors. On va aller j'entendais des voix. Comment oui, tu veux croire monsieur, un mec comme ça? J'entends des voix dans ma tête. Mais ça c'est ça devient inquiétant. Oui là. Ça c'est. Là ça, c'est on peut rien faire. Avec la même voix de l'enfant. Oui bah allez à l'hôpital si poupée, vous ne sentez pas bien. Monsieur la poupée. On a rien vu. Un fantôme c'est pas monsieur. Ouh. Vous savez ça. C'est ça qui est bien avec Yo-Yo aussi, c'est que les gens prennent les autres pour des fous parce qu'ils se disent mais c'est quoi un enfant une poupée, enfin c'est pas possible. Ah, qui est là? La 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 la. Et cet effet de voix aussi est trop bien. Y a rien de tel pour faire flipper les gens. Et il va au commissariat se réfugier, je pense. Ah, en fait, faudrait le bloquer, non? Ce serait drôle. S'il rentre dans le bâtiment et qu'on apparaît derrière lui, il pourra rien faire. Ah, s'il retourne dans le bâtiment, c'est trop bien. Tu veux jouer avec moi? Joue. La 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 la. Première victime. Eh, il est venu enquêter. Il est venu enquêter. Donc là, j'ai appelé les flics et regardez la petite subtilité de Yo-Yo qui laisse maintenant une poupée derrière elle parce que c'est vraiment la version maléfique de Yo-Yo avec les yeux ensanglantés et tout. Vous avez vu, Yo-Yo, à force d'avoir fait des meurtres, ben forcément, elle est dans sa version maléfique. Gros. Bon. Casse. Bien. Je fais rien, mais c'est quoi ça? Non. Rentre plus dedans. Faut pas avoir peur, hein, c'est un bâtiment. Mais t'as entendu. Oh putain, c'est pas fou. Oh là là. La scène d'horreur. Je derrière la mairie, on a un corps. La. Ouh. Oh, je me. Ah, il laisse son collègue tout seul. Mon collègue. Reste avec moi. Gros,
il y a quelqu'un qui a crié. Oui, bah attendez. Non, c'est pas grave, on s'occupe. Et regarde s'il y a des unités MMS qui arrivent là. Oh putain. Bonsoir, messieurs. Ton grand-père. Je me suis perdu. Bonjour, vous êtes. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis perdu. Ici, on a un trou nord. Oui, ah, attendez, oui, cadet, attendez, attendez. Ne vous affolez pas. Elle est au troisième étage, on l'a entendu. Oh, vous avez trouvé ma poupée? Je voulais juste leur faire peur. Je voulais juste leur faire peur. Garde ton arme, on sait jamais. Mais... Allez, venez ici, monsieur. Vous inquiétez pas, vous êtes entre de très bonnes mains. Ah, sortez. Ah, y'a un sortez, truc. Sortez, oh, je me casse, poussez-vous, je me casse. Y'a un truc, y'a un truc. Venez. Comment ça me faire flipper celui-là. Eh, mais pourquoi il se barre, mon cadet, là? Ah, j'ai essayé de l'avoir, je l'ai pas eu. Ah, c'est dingue. Viens, là. Il y a un enfant avec un couteau, je sais pas, je sais pas, main avec un drap dessus. Il a essayé de me mettre un coup de couteau, je l'ai vu. C'est lui, là? Ouais. C'est lui, là? Non, c'est pas lui. C'est un enfant dans un déguisement avec une grosse tête. Il y a un mec qui nous avait dit un minimum, il est là pour on se trouve mort. Ouais, faites gaffe, lieutenant. Attendez-vous pas de cette... Ça m'a fait... Mon cœur, il a battu. Non. Entendez-vous, je... C'est quoi, c'est bien. Eh, ça... Oh, attends. Ah, c'est énorme. Bizarre. Je sais pas, on dirait un nain, oui. Un nain avec un... Comme un déguisement. Ils nous ont ressorti un nain, une petite fille, enfin, vraiment on a tout eu, je crois. Tête de citrouille aussi, c'était ça va. Baissez-vous. Waouh. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Venez, montez, le lieutenant il est en haut. Non, il est en haut. On va mourir. Non, il est sorti par la porte dessus. Il y a un bébé par terre, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est rien ça. Il y avait encore par terre. Quoi ces bruits là? Y'a 15 policiers pour un enfant. Derrière personne, regardez derrière. Bon, au moins on a occupé les flics, on peut aller ailleurs. Ah, l'hôpital, le lieu préféré de Yo-Yo. Oh, quand il va se réveiller, ça va être mythique. Oh. Bonjour monsieur. Pouvez-vous m'aider? J'ai perdu mes parents. S'il vous plaît. Monsieur. Le mec, le pauvre, quand même, il s'est fait soigner pour mourir. Wow. Qu'est-ce qui se passe, là? Celui qui va être accusé. Ah, c'est non. Bonjour. Ah. C'est ah, merde. À l'aide. Ah. Il y a encore le même cadavre et la poupée. J'ai entendu des voix. Ouais, on est dans un hôpital, il y a deux parleurs. Hein. Derrière! Oh, c'était tellement compliqué! À terre, la même poupée que tout à l'heure. Demande 10-18, hôpital. Y'a des coups de feu de partout! C'est neuf! C'est neuf! Qui a fermé le monde au sol? C'est pas, ça ferme tout seul! Comment ça, il vient d'apparaître? Mais c'est quoi c'est tout le bordel là? Fous-toi au sol! C'est quoi ce bordel? Il hurle sur rien! La. C'est quoi ça? Ah! Ah, oh putain! Ah, mais c'est ouvert en fait! Mais c'est ouvert, mais ça s'ouvre seul! Y'a Triller! Du périmètre de sécurité pour faire sortir les. Shotfire! C'est quoi ça? Ils arrêtent pas de tirer et de sauter partout! Allez! Ouais, vite fait. Allez! Y'a que lui qui a... Là! On voudrait pas le feu! Y'a encore un mec dans l'hôpital, mais c'est quoi ça? Sortez de l'hôpital! Sortez de l'hôpital vite! Approchez! Vite!
L'hôpital, personne dans l'hôpital, vous m'établissez périmètre et vous gardez... Ah, le périmètre de sécurité. Mais c'est abusé. Et Yo-Yo, ça leur fait peur de ouf, hein. Pouvez-vous retrouver ma maman? Flic qui est en train de m'attaquer, je suis... Monsieur, aidez-moi à retrouver ma maman. Aidez-moi. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Il y avait une dame. Ouvre la porte, vite, vite, au secours. Pousse-toi, je t'ai dit, dégage. Il y avait une crépache avec un couteau. Ok. Putain, c'est quoi ce... Fermé, c'est fermé. Fais péter la serrure, fais péter la serrure. Fais péter la serrure. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Là, mais j'ai rien à faire, la prochaine fois vous prenez là, j'ai failli prendre une balle. Non mais les gars, oui, c'est clair. À travers comme ça. Les balles sont passées à travers. On était enfermés, on allait se faire niquer. Ouais, mais on va pas à travers comme des idiots là. Je vais voir. La poupée. Putain, derrière toi, boss. C'est une poupée, les gars. Ils ont peur d'une poupée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une poupée. Bonjour. Pouvez-vous m'aider? Prends ta matraque, assomme-la, prends ta matraque. S'il vous plaît. J'ai perdu ma maman. Je n'aime pas les méchantes personnes. Viens, moi je vais essayer d'aller retrouver ta maman. Dégage, dégage, recule, recule. S'il vous plaît, monsieur, appelez la police, là, y a... Le banquier se fait agresser. J'ai au moins réanimé lui parce qu'il voulait m'aider à retrouver ma maman. Aidez-moi à retrouver ma maman, s'il vous plaît. Ouais, oui. Oh, dites-moi. Oui, oui. Ok, mec. On... Il a un état de choc, lui. Ramenez-moi le blessé, là, hein. Je suis devant. Tu vas bien, monsieur, je vous entends parler, là. Non, je parle à moi-même. Ah, d'accord, bah évitez de parler de vive voix, quoi. Si vous parlez assez fort, parce que vous avez entendu. C'est quand je réfléchis. Bah évitez, parce que ça paraît assez, c'est assez étrange, quoi. Mais là, j'ai rien dit, mais j'ai juste dit que... voilà, quoi. D'accord, bah... C'est quoi cette conversation? Passez une bonne soirée, vraiment. Le pistol, tu me prends la première fenêtre sur la... Sortez! Qui c'est qui ferme la porte? Pistole, tu prends la première fenêtre, tu prends la porte. Mais arrêtez d'ouvrir la fermée, on veut rentrer. C'est pas moi, c'est à l'intérieur, je sais pas. C'est là, là, le bouton, il est bon, ici. Bon, ouvrez, on va essayer de rentrer à l'intérieur, là. Ah bah c'est une blague. Williams, vas-y, parce qu'apparemment il est pas doué là, vas-y. Vas-y, ouais. Ça doit être le système qui... Excusez-moi, je vous ouvre la porte, le bouton il est de l'autre côté, donc à moins qu'il s'active par magie. Là. Ah voilà, vous avez vu, regardez, ça s'ouvre. Arrêtez de faire un peu de quoi là. C'est un sketch. Alors, c'est un sketch, c'est un sketch. Ok. Ah, ta mère! Bougez! Mais quel truc! La poupée! Il y avait un mec avec un couteau en bas, Comment ça une poupée? Bon, on va descendre, les armes d'épaule devant! J'ai animé quelques mecs quand même! Ah, les gars, vous évacuez les deux blessés, Allez, on évacue! Il y a plus de temps à faire, plutôt! C'est quoi ce bruit? Putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouvrez-moi! Putain, on est enfermé, faites gaffe, on est enfermé! Putain, les gars, putain, braquez tout! Dehors, vous êtes cons, quoi! Putain. Attendez, écoutez-moi. Ils m'ont tiré dessus alors que j'étais visible. Bon les amis, si là on n'a pas fait flipper tout le monde, je ne comprends plus. Franchement, Yo-Yo, c'est un délice de le faire. Les réactions des gens en fait, comment tu les mets en PLS, c'est tellement drôle. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes. Et moi je vous dis à tout ça pour une nouvelle vidéo. Salut.